voudrais faire une petite déclaration avant que ne commence notre dialogue. Tu m'entends, Pierre? Ça marche? Ça va? Je parle assez fort? Non, mais c'est parce que je vais. C'est parce que je m'adresse à toi. Voilà, une déclaration d'amour. Je n'ai jamais raconté ça, je vous le raconte. Le jour de mes 23 ans, le 23 septembre 1990, j'habitais alors à Nantes, où tu as habité, on m'a offert, lors d'un dîner intime, avec une femme qui m'était très chère, elle m'a offert un cadeau d'anniversaire qu'elle m'avait demandé de n'ouvrir qu'après la nuit que nous allions passer ensemble. Ouais, on parle de dénudation depuis 3 jours. Moi, je suis entièrement nu. Je vais finir complètement, je ne sais pas comment. Mais... Et en rentrant au petit matin dans les rues de Nantes désertes, j'ai ouvert ce cadeau dans la rue. C'était la vie de Joseph Roulin, d'un certain Pierre Michon. Et il m'est arrivé cette chose extraordinaire, c'est que j'ai ouvert la première page. J'étais donc dans la rue, habillé. J'ai lu le livre entièrement debout dans la rue. Je crois que ça a duré 3 heures peut-être. Et il y avait peu de lumière au début, de sorte que, en ce petit matin, je me suis mis sous un réverbère. Je suis resté. Puis un arrêt de bus. J'avançais un peu, je me suis perdu. Et je suis resté debout sur le trottoir en train de lire, tandis que les gens commençaient à aller au travail. Et je ne m'en suis jamais remis. Donc je dois dire que j'attends ce moment depuis tellement longtemps. Et voilà, c'était une déclaration d'amour. Voilà. Merci Pierre. Ça me touche vraiment beaucoup. J'ajoute juste un petit truc là. C'est que la fin de ce texte dont il parle, Yannick, qui s'appelle La vie de Joseph Roulin, est calquée sur la fin du mort dont vous avez entendu hier la lecture. À la fin du mort, il y a « Restez le soleil » et dans mon texte, il y a « Et toi, soleil ». C'est un souvenir du mort, de bataille. La passion, donc, et pas seulement celle de la peinture, la passion qui circule déjà d'emblée, au début de cette rencontre, et je partage le bonheur et l'honneur, Pierre, de vous retrouver ici. Alors, il y aurait plusieurs naissances, peut-être, à évoquer pour cette rencontre. Et magnifiquement, Yannick vient d'évoquer une première naissance, c'est-à-dire... Comment aborder ces écrivains, Léris, Bataille, Léris, Pierre Michon, Yannick Enel, et tous les écrivains qui se sont confrontés à l'écriture de la peinture. Alors, je prendrai parmi les nombreuses naissances que pourrait avoir cette rencontre. J'en prendrai une, un peu arbitrairement. C'est Louis Marin, qui apparemment n'a pas grand-chose à faire ni avec Bataille, ni avec Léris, sauf beaucoup avec le Caravage. Et c'est une citation qui est précisément que je prends dans « Détruire la peinture ». Et Louis Marin, il dit... Comment trouver le chemin de l'œuvre de peinture? Et pourquoi parler du tableau s'il suffit pour accomplir la finalité de l'acte de peindre, d'y prendre plaisir ou jouissance, par désir de savoir et plaisir de dire, ou pour faire du plaisir du tableau ou de sa jouissance, un plaisir et une jouissance du langage.
Alors, oui, bien sûr. Alors, Louis Marin n'est pas un... Enfin, c'est un historien d'art, c'est un théoricien d'art, c'est un grand écrivain de peinture. Ce n'est pas un écrivain comme vous, Pierre, comme Yannick, qui transfère la peinture dans l'écriture du récit, du roman. Donc, voilà. Jouissance de la peinture, jouissance du langage. La réponse à Louis Marin est simple, là, c'est... D'ailleurs, Bataille le dit sans cesse. Et, enfin, il ne le dit pas. Il le vit et il écrit qu'il le vit. Le écrire sur la peinture est simplement décupler la jouissance que la peinture nous apporte. C'est comme les mots d'horreur dans les actes sexuels, vous savez. C'est des mots qui multiplient le plaisir. Et d'ailleurs, le plaisir de... Comment dire? Ce que Bataille éprouvait pour l'art, Louis Marin est un homme du savoir. Bataille disait toujours, il faut être entre le chien du savoir et le loup du non-savoir. Et Bataille, dans cette place du loup, les œuvres d'art les plus belles le faisaient rigoler. Il riait. Il l'a dit ce matin, le premier intervenant a dit cette phrase géniale de Bataille. Je ne vois qu'un objet qui m'a fait rire. Je ne vois qu'un objet qui m'a fait rire. Et il raconte comment, devant la cathédrale de Tienne, pour la première fois que ça lui est arrivé, il a eu un fou rire absolu, mais un fou rire, comment dire, à la fois d'érision et de jouissance. C'est les deux sens du mot satyre. Ils sont là. Et Bataille est un des rares êtres qui a vécu cette sensation directe du satyre donnée par les choses et par les œuvres d'art, principalement. Moi, j'ajoute encore un petit truc qui est personnel. Un des tableaux que je préfère au monde, c'est la Ronde de nuit de Rembrandt. Et ce tableau, tout en me glaçant d'épouvante et de je ne sais pas quoi, et d'admiration de cette virilité déployée, me fait rigoler parce qu'il y a un type qui me montre du doigt. Mais on sait que nous regardons la peinture, mais la peinture nous dévisage. La peinture nous montre. Yannick, alors une autre entrée, une autre naissance pour cette rencontre. Dans le film qu'on a vu jeudi soir, La Reine de Némi, donc non pas le roi... sacrificateur et sacrifié, meurtrier et victime de la légende liée au lac de Némi, mais la reine de Némi, une Artémis Diane, toute de légèreté, de beauté et de grâce, entourée de ses deux nymphes. Alors voilà, l'autre, il y a à un moment donné, cette phrase qui est une phrase dans les Métamorphoses d'Ovide, puisqu'il est question dans la Reine de Némi et dans le mythe du lac de Némi d'Actéon et de Diane, d'Artémis Diane. Donc, Diane dit à Actéon, va donc raconter, si tu es capable, que tu m'as vu nu. Et je me disais, c'est Artémis qui parle. Mais c'est aussi la peinture qui parle. Exactement. Pour moi, cette fable ovidienne, enfin, qui met aux prises le regardeur voyeur, Actéon, et la déesse au moment interdit où elle est nue au bain,
Diane. C'est exactement ce qui se passe, évidemment, entre une œuvre d'art et nous, enfin, en tous les cas, entre une œuvre d'art et moi. Et cette phrase extraordinaire, cette phrase cruelle, qu'au moment où elle l'éclabousse pour le transformer en cerf, Diane dit et adresse à Actéon, c'est exactement le défi que nous renvoie dans un éclat de rire une peinture. Et ça nous somme d'essayer d'en faire l'expérience et d'oser, de manière quasi sacrilège, trouver des mots pour le dire. Parce que ce qui est important, ce qui est beau, ce qui est faramineux dans la phrase de Diane, c'est le « si tu en es capable ». Va donc maintenant, si tu en es capable, dire que tu m'as vu nu. Et dire la nudité, trouver les mots pour cette nudité-là, qui est la nudité elle-même du monde, au fond, du visible, qui s'efface et qui nous tue, en fait, qui n'arrête pas de nous tuer, puisqu'elle lui dit ça, puisqu'elle va le tuer. Ce défi, c'est exactement celui qui est adressé à tous ceux qui essayent d'écrire, non pas seulement sur la peinture, mais avec la peinture. Moi, ce qui me plaît, ce qui m'a plu dans Vie de Joseph Roulin depuis ce jour-là, de 1990, c'était aussi qu'il y a de la peinture dans les phrases. Comment rejoindre les pigments colorés avec la matière même des mots. Bacon, Léris, Bataille, Manet, Pierre Michon, Van Gogh. Il y a un pont mystérieux, comme dit Delacroix, entre chacun d'eux. Et c'est dans ce pont mystérieux qu'il n'y a plus ni peinture d'un côté et littérature de l'autre, mais une matière enchantée, scintillante, qui est comme le corps nu de Diane, en fait. Et voilà, c'est là que ça se joue, je pense. Enfin, c'est ça que viennent nous dire sans cesse toutes les écrivaines et tous les écrivains, et spécialement, puisqu'on en parle passionnément depuis 3 jours, Léris et Bataille, et Pierre. Non, je voudrais ajouter quelque chose à propos d'Actéon et Diane. C'était Diane, c'était Artémis. C'est, bon, qu'elle est interdite d'écrire. Il paraît. C'est une des façons de la peinture, effectivement, oui. De répondre. Oui. Mais si ça avait été Aphrodite, on dit qu'Aphrodite, enfin, les Homérides racontaient qu'Aphrodite, avant qu'il écrive l'Iliade, est apparu nu à Homère et lui a dit: tu vas raconter l'histoire de ces hommes qui ont eu l'avantage, un signe, de me connaître, au contraire de tous ceux qui n'ont pas connu les idiots. La peinture peut aussi répondre à ça. Parle sur moi. Fais-moi l'article. Mais si tu te gourres, je ferai comme Diane, voilà. Je te flécherai. Bon, avant quand même... C'est la main qui t'est étendue. Mais, dans le tableau de Rembrandt. Mais avant que Diane, la peinture, nous tue, il y a peut-être une étape qui est celle du fait qu'elle nous métamorphose aussi, qu'elle nous change. Si la peinture nous change. Oui, le vis-à-vis avec la peinture, le face-à-face. Quel ordre est ce face-à-face? Yannick a peut-être une idée. J'ai une phrase de Cézanne sur la métamorphose. Il dit: l'eau changée en vin, le monde changé en peinture. C'est pas mal quand même ça. Et on rejoint le sacré, le fait que le langage a pris la place pour nous des divinités, en fait. Et moi, je pense que ce qui se passe entre, je sais pas, les peintures, les œuvres d'art et ceux et celles qui essayent de trouver des nuances pour les dire, enfin pour établir un lien qui ne s'arrêterait jamais, enfin, c'est la métamorphose même, c'est cette métamorphose même qu'on appelle le fait de vivre,
on n'est jamais à chaque instant le même. Enfin, et l'histoire des impacts sur nous, et de la des impacts sur nous des œuvres d'art, pour moi, c'est quasiment ça, la littérature. Moi, ce que je trouve très beau dans le livre dont parlait ce matin Bertrand Schaeffer, qui est un des plus beaux livres du monde, carrément, le ruban au cou d'Olympia de Michel Léris, c'est que précisément, Léris va dérouler à 80 ans, non seulement toute sa vie en peinture, mais tous les instants de sa vie qui n'auront été que de la peinture qui le transformait. Et Michel Léris vivait chez lui à côté de son portrait par Bacon, vous imaginez, enfin... Et probablement aussi à côté de celui de Giacometti. Aussi, sans doute. Eh bien, justement, puisqu'on parle de portrait, je crois que quand vous entrez dans un musée, c'est ce que j'ai lu en tout cas, ce qui vous attire en premier, d'emblée, ce sont les portraits. Sont les visages. Où est-ce que ça a changé? Non, c'est-à-dire c'était circonstancié. Je dis des choses sur le ton général, mais en fait, c'est parce que à ce moment-là de ma vie, je crois que c'était après une visite au Palais Pitti à l'ancienne, avec tous les beaux bus, les portraits américains d'hommes. Vous savez, je crois que c'était ça. Ouais. Oui. Mais pour ce qui est de changer, je parlerai bien, mais là c'est un peu indélicat, de ma rencontre avec Lascaux. Mais oui, mais non, c'est pas indélicat, c'est prévu au programme. C'était pas prévu? Si, absolument. Ah ben vous alliez poser la question. Mais non, mais je fais l'économie de la question. J'ai vu Lascaux à 16 ans, 2 ans avant que ça ferme, le vrai Lascaux. Et je l'ai visité avec un couple de parents. C'est bataillien ce que j'ai raconté. Enfin, pas tout à fait. Donc, ces gens avaient entre 40 et 50 ans, j'avais 16 ans. La femme tenait une boutique de lingerie. Et c'était une fort belle femme. Et j'éprouvais pour elle un sentiment que vous pouvez deviner. Je ne sais pas si c'était un sentiment, c'était en tout cas une vision. Et j'ai vu Lascaux ce jour-là. C'est-à-dire vraiment, enfin, ce jour, avec elle. C'était vraiment dans le contexte bataillien. On y était en plein. Il y avait tout. Il y avait l'animalité et sa rupture, la rupture avec l'humanité, la représentation. Il y avait la sexualité et ses fétiches. Je me rappelle que j'ai mangé dans le gouffre de Padirac. Il y a une photo de moi. Attention au bord du gouffre. J'ai toujours cette photo. Et j'étais effectivement au bord du gouffre. Bien, difficile de... d'enchaîner. Enchaîner... On peut se déchaîner. Se déchaîner, oui. Enfin, ou s'enchaîner dans une pratique... non, on n'est pas sérieux. Attends, en plus, mes notes, c'est tellement... Non, mais alors, donc, l'histoire des portraits, c'est un flop, parce que finalement, les portraits... Mais enfin... J'adore. Ah, quand même. Ouais. J'adore les portraits, mais je dirais que pour moi, c'est surtout lié au portrait extraordinairement viril de seigneurs, souvent de seigneurs de la guerre, ou je sais pas quoi, d'Holbein, du Titien, qui encore, il y en a plein qui en ont fait,
les portraits royaux, etc. La puissance. La puissance. Le portrait, c'est pour moi la puissance virile quand c'est réussi. Ces hommes du Titien, ce type qui tient un gant. Faire gaffe. Hein. Faut faire gaffe. Faut pas lui disputer son terrain, celui-là. Et pour vous, Yannick, est-ce que le portrait tient exclusivement du pouvoir masculin? C'est tout le contraire, je dirais. Mais ce n'est pas pour contrarier Pierre, c'est une autre histoire. Tu as dit, et c'est très beau, je me souviens, dans Le Roi vient quand il veut, que pour toi, la peinture, ça a longtemps été une fabrique généralisée de noblesse. Et ce qu'il y a de beau, c'est que le petit facteur Roulin, il devient un dieu aztèque, il devient un roi. C'est ça qui est beau, l'ennoblissement par la peinture. Moi, les portraits, c'est les portraits de femmes, en fait. C'est les Corot qui sont merveilleux au Louvre, et c'est les Caravage, en fait. C'est-à-dire que j'ai raconté dans un livre, La solitude Caravage, que je suis tombé amoureux d'un portrait d'une femme, la Judith du Caravage. Et en plus, elle était en tout petit, en noir et blanc. Noir et blanc, il faut en vouloir quand même. Vous savez, dans l'histoire de l'art, des lits forts en poche, moi, ça a été toute ma vie, ça. C'est en noir et blanc, et pourtant, c'est merveilleux. Et pourtant, les couleurs semblent se jeter à votre visage. J'ai toujours bien aimé, c'est peut-être une hérésie, hein, j'en suis désolé, j'ai toujours bien aimé les vieilles reproductions en noir et blanc, parce que ça coûtait moins cher. Et ça nous fait... Comment dire, on fait l'expérience de cette peinture en essayant d'imaginer, on s'arrache les yeux sur ces couleurs qui sont là, même en noir et blanc. Et Judith, c'est la perle, avec le petit ruban, encore une fois, un autre ruban, mais pas au cou, un ruban en forme de papillon noir qui tenait cette perle. Je voyais juste ce que j'ai tenu à mettre sur la couverture du livre, je voyais son buste, et il y avait dans ce portrait... Il y avait le froncement des sourcils de cette femme qui manifestement éprouvait une difficulté à faire quelque chose. Et cet adorable froncement des sourcils se doublait d'un autre froncement qui était celui de son corsage serré par un lacet. Alors là aussi, j'étais très jeune et j'éprouvais des sentiments, comme tu dis, envers cette jeune femme. Mais je ne savais pas. Et ça a été toute l'histoire de mon initiation à la peinture, parce que c'était à 15 ans, j'étais enfermé dans un pensionnat militaire, et j'avais cette petite photo que j'avais coupée au cutter, je l'avais volée dans la bibliothèque de section, comme on disait, section. Je pense que les psychanalystes se régalent hein, aujourd'hui. Et je la regardais comme ça, comme une image porno, mais aussi comme quelque chose qui finalement dépassait très largement le porno et se mettrait à le dépasser pour toujours. C'est-à-dire, ça m'intéresserait pas du coup le porno parce que ça, c'était quelque chose de porno noble. Porno noble comme, alors. Comme le texte que lisait hier Martouret, c'est comme le mort. Voilà, c'est ça. Ce qui m'intrigue là, c'est Bataille. Pourtant, Caravage était un des peintres les plus bataillens qui soient. Ouais. Bataille n'en a jamais parlé. Je pose la question dans La solitude Caravage. Je pense que Bataille n'a peut-être même jamais vu de Caravage. Ça tient aussi au fait que Roberto Longhi nous a redonné le Caravage seulement dans les années 30, je crois. Mais après 50, il y a son livre. Oui, c'est 50. Et donc, c'est comme le miracle de Lascaux. Caravage, c'est les années 50 seulement. Et je pense que même dans Malraux, dans les gros livres bourrés d'images, là aussi en noir et blanc de Malraux, c'est Georges de la Tour qui le met tout le temps, mais pas le Caravage. Et le Caravage n'a pas été vu avant les années 50. Voilà. Je crois que l'exposition très importante sur le Caravage, c'était à Milan, et je crois que c'était au début des années 50. D'accord, effectivement. C'est ça, ouais. Et alors, puisqu'on parle du Caravage, et à juste titre, puisque La solitude Caravage, c'est cette biographie, en même temps roman, essai, enfin, tous les genres littéraires mélangés, mêlés, je reviens à Détruire la peinture, parce que le titre de ce livre de Lumarin, Détruire la peinture, en fait, c'est une phrase, enfin un segment de phrase
de Poussin qui dit « Le Caravage est venu au monde pour détruire la peinture ». Et bon, il ajoute après, dans ce balancement qui est à la fois admiration, rivalité que le Poussin peut avoir pour son, pour un peintre qui l'a précédé, comme le Caravage, il dit après, mais dans l'art de peindre, il avait absolument tout. Bon, ça c'est pour l'honnêteté de la citation et de ce que dit Poussin, et il dit bien plus. Mais détruire la peinture, je pense au livre magnifique, et dont Bertrand Schaeffer a magnifiquement parlé ce matin, le Manet de Bataille. Et là, bon, il a été dit tellement de choses ce matin, tellement belles, mais peut-être ce qu'on pourrait ajouter, c'est la manière dont Baudelaire parle de Manet, à Manet, dans cette lettre qu'il lui envoie pour le rabrouer un peu, pour lui dire, mais enfin, bon... Vous vous plaignez que vous n'avez pas de succès, que le public vous tourne le dos, ou pire encore, qu'il rit, pas du même rire de Bataille. Et il lui dit, je cite de mémoire donc très mal, il lui dit à un moment donné, mais regardez Chateaubriand, regardez Wagner... ils ne se sont pas plaints comme vous. Et pour que votre orgueil ne soit pas trop excité par ces comparaisons, ces modèles que je viens de donner, dites-vous bien, dites-vous que vous êtes le premier dans la décrépitude de votre art. Alors, c'est une phrase qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre pour l'interprétation. Mais est-ce que vous avez, Pierre, comment vous sentez, vous entendez cette phrase, le premier dans la décrépitude de votre art. C'est une très belle phrase que commente Bataille mieux que moi. Mais, bon, écoutez, non, il y a un mauvais Baudelaire. Il y a un Baudelaire qui est un auteur génial qu'on connaît, et il y a un Baudelaire que moi n'aime pas, qui est un Baudelaire plein de ressentiments, plein de haine contre son temps, il faut bien dire, bien qu'il dise il faut peindre des chapeaux, etc. Mais il ne croit pas, lui, qu'il faut peindre des chapeaux. Mallarmé le croit. Mallarmé, lui, a dépassé tout ressentiment pour l'époque moderne. Il dit à une enquête sur les chapeaux de forme que faisait un journal de mode, il répond « Vous avez remarqué, madame, que le contemporain porte sur le chef quelque chose de noir et de surnaturel ?» Ça, c'était comme Manet. Mais Baudelaire, non, Baudelaire, il était resté à Delacroix, l'orientalisme, la débauche de couleurs. Il y a dans Baudelaire quelque chose qui... Et puis, son dandysme, qui était un dandysme à la Barbet, un dandysme à côté du dandysme déluré de Manet. Dans Mallarmé, précisément, hein, dit, à propos du... Enfin, pas du dandysme, mais de l'apparition, comme ça, de la silhouette de Manet, Mallarmé dit un chèvre-pied... Un par-dessus mastic. Alors, chèvre-pied, c'était un faune, un satyre, un par-dessus mastic. Et Bataille dit... j'ai employé le mot tout à l'heure comme si c'était moi, mais son élégance délurée. Très, très joli mot. Mais quand cette phrase, on peut aussi l'entendre non pas comme un reproche, mais comme une vérité profonde qui dépasse même Baudelaire. Peut-être c'est Manet sera désormais le plus grand des peintres, précisément parce que la peinture meurt
commence à mourir, devient de la décomposition grâce à lui. C'est ce que nous a très bien raconté Bertrand ce matin. L'Olympia, c'est un attentat. Et la peinture va s'adresser peut-être à partir de là uniquement à elle-même, si je puis dire, et se retourner comme le miroir encore plus cruel, comme le miroir que Diane tend à Actéon. Et moi, j'aime bien cette j'entends la mort à l'œuvre. Enfin, c'est-à-dire que aller regarder des portraits d'hommes puissants ou de femmes sensuelles ou puissantes elles-mêmes, soit se détourner de la mort, soit l'avoir trop bien. Moi, cette petite perle me cachait évidemment dans le visage de Judith le fait qu'elle était quand même en train de trancher la tête d'un homme dont il fallait bien que je prenne conscience un jour que c'était moi. Et donc cet aveuglement, cette décrépitude, c'est évidemment, comme tu sais, comme nous savons tous, ce que l'art ne cesse de nous dire en nous enchantant, en fait. Juste... Pour prolonger ce que dit Yannick et pour contrarier un peu cette image de Baudelaire qui n'est que dans le ressentiment ou dans le, je pense que le mot décrépitude, et c'est ce que montrait Marcelin Plenet dans un texte de je ne sais plus quelle année, décrépitude, on peut prendre aussi au sens étymologique, c'est-à-dire du décrépit, de la fissure, de la lézarde par laquelle justement quelque chose de la peinture d'avant, Bataille le souligne, mais Manet a en chemin pris le train des impressionnistes, etc. Mais tous, de Monet à Van Gogh, ils vont beaucoup moins loin que Manet. C'est Manet, le grand peintre, le peintre de la grande rupture, c'est lui. C'est pas... Oui, je crois que le terme qu'utilise Bataille, c'est pas révolution acide. Oui, c'est peut-être révolution acide, je crois. Renversement acide. Renversement, oui, pardon. Renversement acide. À propos de acide. Non, ne croyez pas que je sois sourd, c'est que ce mot... ce mot vous choque. alors, j'hésite pour rester encore un moment avec Mallarmé et Manet et Bataille. Ah, j'hésite. Ouais, oui. Je voudrais la lire. Ah, ben voilà. La légende. Ah, du... Oui. Ah, ouais. Oui, enfin même peut-être un peu plus que la légende. Le à propos du portrait de Mallarmé. Voilà, c'est ça. Alors attends, c'est un peu. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais c'est là. Tu vois. Ouais. Non, attends. C'est bien avant. Non, mais là. Non. Bon, alors la légende, c'est un peu. Je vais vous lire moi la légende du portrait de Mallarmé. C'est pareil. Hein. Pas tout à fait. Hein. Quoi qu'on dise, c'est bon. Ces gens-là. Mais où est-ce qu'il est le portrait de Mallarmé ? Ah oui, il est par là. Ah. C'est le fameux portrait de Mallarmé où il fume en Havane, il a de la chance. Il fume en Havane, il regarde vaguement par terre. Il regarde vaguement par terre. Ouais, bon. Cette légende, chaque mot frappe juste et est inattendu en même temps. Dans l'histoire de l'art et de la littérature, ce tableau est exceptionnel. Il rayonne l'amitié de deux grands esprits. Dans l'espace de cette toile, il n'y a nulle part pour ces nombreux affaissements qui alourdissent l'espèce humaine. La force légère du vol, la subtilité qui dissocie également les phrases et les formes, marquent ici une victoire authentique. La spiritualité la plus aérée,
la fusion des possibilités les plus lointaines, les ingénuités et les scrupules composent la plus parfaite image du jeu que l'homme est en définitive, ses lourdeurs une fois surmontées. Parce que dans Bataille, il n'y a pas que, quand même, il n'y a pas que la forme. Il a un sens de mais je dirais pré-monothéiste, tout en étant imbibé de monothéisme. Il a un sens archaïque de l'humain. Je ne sais pas, il y a quelque chose là de très infiniment plus que le surestimé Marcel Proust. Pas mal de toi. Bon, allez, après Baudelaire, Marcel Proust. Oui, bon, c'est comme pour. C'est comme pour la lingerie coquette dans la grotte de Lascaux. Non, mais alors, ce qui est extraordinaire dans ce que vous venez de lire, c'est-à-dire, c'est un écrivain Bataille qui parle d'un tableau de Manet qui est le portrait d'un écrivain. Donc, c'est ces allers-retours entre, et le dialogue entre écrire, peindre et la justesse des phrases et la justesse entre la justesse des phrases et la justesse des formes, il le dit lui-même. Oui. Alors, pour revenir un instant à Lascaux de manière via Pierre Michon de nouveau, la grande bulle. La grande bulle, c'est là où vous entamez vraiment un dialogue avec, à la fois avec Bataille, enfin dialogue. Il est un peu là dans les parages. Ah oui. Le roi Gourand aussi, un peu. Rembrandt ? Non, le roi Gourand. Alors, bon, c'est pas que j'ai pas entendu. Ah bon, le roi Gourand, désormais oui. J'ai compris, oui, j'ai compris. Gourand. Je dirai pas deux fois. Donc, alors, laissons de côté ça. Non, ce que je veux dire, c'est que dans La Grande Bulle, qui se passe dans les années 60, mais dans un paysage, dans une région qui n'est pas loin de Lascaux, et qui est un roman fait de traces, de traques, d'indices, et qui se passe justement dans ce paysage archaïque, préhistorique, où je crois bien à un moment donné le héros du roman ou anti-héros entre dans une grotte, mais dans cette grotte il n'y a rien à voir, il n'y a pas de peinture. Absolument rien. Et donc je me disais, voilà que justement tout ce qui n'apparaît pas sur les parois de la grotte, c'est-à-dire les animaux, cette présence du sacré, comme dirait Bataille, et tout ceci, l'écriture le prend en charge, parce que tout le roman fait vivre ces peintures absentes, mais qui sont dans notre imaginaire, de nous, hommes, qui avons vu. Alors, quelle opération faites-vous, là ? C'est vrai qu'on les voit, oui, comme si c'était la page blanche, quoi. J'y ai pensé, bien sûr. À la page blanche, enfin. Mais c'est surtout lié au personnage de Jean-Jean. Il y a un personnage là-dedans qui m'échappe un peu, parce que j'ai écrit la suite qui va paraître en mars, là, en un seul bouquin, les deux. Enfin, la grande bonne et la petite, quoi. Et ce personnage de Jean-Jean, on ne sait pas si c'est un nihiliste absolu ou simplement un nietzschéen, bataillien, etc. Mais on ne sait pas.
On sait qu'il a un commerce sexuel très, très abondant avec la buraliste dont le jeune homme est amoureux. Vous savez, c'est moi avec ma tante lingère. Comment on appelle ça ? Frivolitaire, non, magasin, bon, bref. Oui, la blancheur de la caverne, je ne sais pas. C'est une idée qui m'est venue un matin. J'ai dit, tiens, je vais faire cette caverne toute blanche. D'abord, j'ai cru. J'ai dit, non, il va y avoir des tout petits trucs comme agneaux, deux, trois petits passards. Là. Non, rien. Mais c'est une des plus belles scènes. C'est une des plus belles scènes, justement, de description de la peinture, précisément parce qu'il y a Jean-Jean qui dit, comme vous le voyez, il n'y a rien. Mais moi, je n'oublie pas qu'à l'intérieur de cette grotte, à l'intérieur du livre, il y a autre chose. Le livre devait s'appeler L'origine du monde. Et donc, en fait, dans cette grotte, c'est le sexe d'une femme. Oui, bien sûr. Moi, ça me saute aux yeux. On n'y voit rien, comme dit Daniel Arras, mais on ne voit que ça. Mais dans un sens, tout le paysage de la Grande Beune, c'est le sexe d'une femme. Tout est dit. Ouais. Oui. Le sexe d'une femme dans une grotte, c'est aussi le contraire, si je puis dire, du sexe en érection de l'homme peint dans les grottes de Lascaux, dans la scène du puits, sur laquelle Bataille revient à plusieurs moments. Et il dit à ce moment-là, l'homme devient. Attendez. Je ne veux pas dire. Au rendez-vous de Lascaux, l'homme civilisé se retrouve homme de désir. Et alors, il y a. Ça me fait penser, et j'avais pris la citation, mais je ne sais pas où elle est, à ce qu'écrit René Char quelques années après, à peine 4 années après la parution du livre de Bataille sur Lascaux. Il l'écrit, il le rédige, il le placarde comme un tract. C'était au moment des premiers Spoutnik, mais je sais que je ne le trouverai pas. Et en gros, il dit... Ah voilà, c'est ça. Voilà ce qu'écrit René Char. L'homme de l'espace, dont c'est le jour natal, sera un milliard de fois moins lumineux et révélera un milliard de fois moins de choses cachées que l'homme granité, reclus et recouché de Lascaux, aux durs membres, débourbés la mort. Débourbé de mort. Ouais. Ça me revient en t'écoutant lire ce texte très beau aussi, hein, de René Char. Ça me revient que le sexe des hommes, cette fois-ci, on l'appelait petit pinceau. Et le petit pinceau. Et du coup, cet homme renversé, c'est déjà le peintre. Mais il en meurt, lui. Voilà, comment ne pas en mourir ? Il y a toute une histoire de l'art qui se joue là, de sexe à sexe, si je puis dire. Et je pense tout le temps à ce... Pour moi, c'est la vérité qui est en jeu ici. Mais la vérité, pas au sens de la vérification, pas au sens de la séparation entre ce qui est faux et ce qui est vrai, mais l'aletheia, comme on disait en Grèce, le dévoilement. Voilà. La vérité qui surgit de temps en temps dans le bruissement des arbres, par des couleurs, et qui se dérobe, enfin, qui est insaisissable. Et elle arrive parfois, elle nous frappe, parfois violemment. Enfin. C'est l'aletheia, c'est ça que je vois, moi. Enfin, que je vois, c'est ce que je dis. Oui, moi, je peux dire un mot sur cet homme de Lascaux, là, cet homme érigé. Il y a surtout le taureau qui perd ses entrailles. Et je pense à, dans l'histoire de l'œil de Bataille, il met en scène
une corrida à laquelle il a assisté, où Granero est mort. Granero, qui était un jeune torero très, très prometteur. Il a été encorné, ça lui a cloué la tête contre la balustrade. Enfin, bref. Et il met en scène ce truc qu'il a vu dans l'histoire de l'œil, qui est une histoire pornographique d'un bout à l'autre. Et dans cette histoire, Simone, l'héroïne, après l'assassinat d'un curé, enfin, ils font des tas de trucs. Et ça finit bien, d'ailleurs, ça finit par leur lord, je ne sais pas comment, acheta un yacht à Gibraltar. Bref, dans cette corrida, ce qu'aimait particulièrement Simone, c'était voir dégouliner les tripes des chevaux que les picadors et les cornes, surtout les cornes des taureaux, éventraient. Et elle se fait donner, parce qu'il paraît que ça se fait, les couilles du premier taureau. Et au moment de la mort de Granero, elle s'en met une là où il ne faut pas, quoi. Voilà. Et donc cet homme couché à Lascaux, c'est le narrateur de l'histoire de l'œil qui observe tout ça d'un œil. D'un œil, si on peut dire. Enfin, le seul qui lui reste, peut-être. Alors, on aimerait rester à Lascaux, hein. Mais je voulais évoquer avec vous une autre peinture, celle, cette fois-ci du XXe siècle, celle de Francis Bacon, puisque vous nous avez raconté votre nuit avec Francis Bacon, qu'on peut avec pas sa peinture, je veux dire. Qu'on ne peut pas encore lire, mais le livre sortira en 2023. Bah, il faut que je l'écrive, quoi. Oui. Oui, ah, oui. Ah. Mais aussi parce que je veux dire, il y a eu votre face à face pour le coup avec la peinture de Francis Bacon, et puis parce que il y a tout le lien entre Léris, Francis Bacon et vous. Et il y a un tableau dans Les larmes d'Eros, un tableau de Francis Bacon, mais je ne suis pas sûre que Bataille ait vraiment eu la main sur toute l'iconographie de l'arme d'Eros. Effectivement, d'autres le savent peut-être mieux que nous. Il m'a semblé lire quelque part que Bataille, sans avoir sans doute vu de tableau de Bacon, parce qu'on est quand même en 61, c'était Léris qui lui a montré, parce que Léris est le grand introducteur, si je puis dire, de Bacon en France. Et les écrits qu'il consacre de manière presque tremblée au début, sont très beaux, parce que c'est une approche, c'est une véritable expérience de ce que Delacroix appelle le pont mystérieux entre une œuvre et quelqu'un. Et ça dure sur des dizaines d'années. Ouais. Et moi, je peux dire aussi que Bacon m'a aussi été donné par Léris. Parfois, il y a des tableaux, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, il y a des tableaux dont on lit d'abord la description, on ne les a jamais vus, mais c'est en lisant la description qu'on a envie de les voir. Il y a des tableaux qu'on ne peut pas voir, parce que soit ils ont été détruits, comme le peintre de Tarascon de Van Gogh, qui a été brûlé pendant la guerre, mais il y a d'autres tableaux qui surgissent par les mots, et ça c'est prodigieux, et les risques quand même à ce don obstiné, scrupuleux comme il l'est, de faire apparaître peu à peu Bacon, que peut-être on ne voyait pas beaucoup. Et moi, je suis allé voir, tout jeune, des tableaux de Bacon, parce que j'avais lu un texte de Léris. Alors aujourd'hui, c'est facile, on ouvre son téléphone et on peut soi-disant voir toute la peinture, et moi, je ne m'en prive pas. Mais la matière de désir qu'est l'écriture peut aussi nous conduire à l'art. C'est pas seulement l'art qui nous ferait écrire, mais c'est, enfin, qui, enfin, voilà, ce face à face est double, enfin,
simultanée, enfin, réciproque. Voilà. J'ai effectivement passé une nuit tout seul, j'ai eu cette chance pour une collection, c'est une commande comme on dit, mais que je n'ai pas encore honorée. En 2019, j'en ai un petit peu parlé il y a deux jours, une collection qui s'appelle Ma nuit au musée. Il faut absolument que Pierre écrive quelque chose. Après, on va demander à Pierre dans quel musée il aimerait être enfermé. Et bon, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que je voulais que ce soit Lascaux. Parfois, on force les choses. Je voulais être dans la grotte. Et donc, j'ai demandé aux pompiers d'éteindre à 2h du matin tous les néons. Les néons un peu dégueulasses, comme ça, qui nous vitrifient. Et en plus, tous les tableaux de Bacon sont sous vitre. Bacon a demandé à ce qu'il y ait une vitre. Donc en fait, quand on regarde un Bacon, ben on se voit. C'est assez terrible. Là, c'est de la tauromachie. Et justement, il y a des taureaux. Et cette nuit-là, ça a été vraiment une ronde de nuit, comme tu le dis. Parce que ils ont éteint. J'étais sur mon lit de camp, un peu terrorisé par certaines peintures de Bacon. C'est ce que je raconterai dans mon livre. Et puis d'un coup, ça s'est allumé dans la nuit. Grâce au reflet, en fait, qui ne reflétait plus rien. Et j'ai sorti ma lampe torche que j'avais achetée chez Leroy Merlin, comme je l'ai raconté. Juste à côté de Beaubourg, il y a un Leroy Merlin. Et la noblesse et l'enchantement, quoi, le roi. Et là en cherchant autour de moi, en balayant, c'était des petits cercles comme ça, des auréoles de lumière, et je ne reconnaissais pas les tableaux, et c'était merveilleux parce que je me voyais en train de les peindre, et ça a été un enchantement pendant 3 heures, je crois, un peu plus, je ne sais pas, c'était une nuit blanche, entièrement allumée, illuminée. Donc voilà, je crois que cette nuit-là, j'ai rejoint quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Alors je n'en suis pas mort, ou peut-être j'en suis revenu, ou toujours pas revenu, comme de ma lecture de Pierre. Mais la scène entre Actéon et Diane, là, j'ai réussi à m'y maintenir, en fait. Et j'ai reçu quelque chose, c'est les gouttes d'eau, et c'était ces petits trucs de peinture que... J'ai réussi à prendre le pinceau moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les psychanalystes, là, sont morts de rire, mais bon. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, la littérature. Enfin, quand on essaye. Alors, si oui, mais bien sûr, mais j'allais continuer justement sur Francis Bacon, parce que vous écrivez, Pierre, Goya regardait ce qu'il ne pourrait jamais peindre, et que pour cette raison, il devait désormais peindre, c'est-à-dire de l'impossibilité, enfin de l'impossibilité comme. Oui, mais ça c'est un cliché bataillien, vous savez. Cette phrase. Parce que aujourd'hui, j'écrirais plus, mais j'étais jeune et bête. C'est vrai. Non, parce que c'est un cliché bataillien. C'est un cliché bataillien. Seul l'impossible importe. Oui. Mais Francis Bacon dit à peu près la même chose. Qui ? Francis Bacon dit à peu près la même chose. Ah oui, mais Bacon, c'est un peintre, c'est pas un écrivain. Il a le droit de le dire. Mais les écrivains, il faut qu'ils soient plus retors quand ils écrivent. Non, donc, vous regrettez, et puis je vous laisse parler de ce que vous vouliez nous dire. Donc, vous regrettez d'avoir fait dire à Goya... Ah non, ah, pas non, du tout, c'est même, dans le texte. Mais je ne le ferai plus maintenant, quoi. Bon. Voilà. Alors, non, je dis Bacon, non. Tu dis qu'il n'a pas vu Bataille. Non, ce n'est pas possible. Non. Bataille aurait vu tout de suite. Dans Bacon, il y a les deux faces du sacerdoce tout de suite, le sacré, le royal et l'abject. Enfin, tout est là, tout de suite, livré. Tac. Et... par exemple, c'est son pape tombant et criant éternellement dans sa chute en enfer. C'est quelque chose de fabuleux. C'est la ronde de nuit. D'ailleurs, on ne se rend pas compte que parmi nous, de notre vivant, des gens ont été capables de faire des œuvres pareilles. Et il aurait vu, lui, Bataille, que c'était Manet qui...
c'est pas Manet qui revenait, c'était Delacroix, mais sous une autre forme, après la période Manet. Il l'aurait vu, il l'aurait dit, hein, qu'est-ce que t'en penses ? C'est certain, oui. De la même manière que le Caravage le regardait depuis la nuit des siècles, Bacon, est un peintre pour Bataille, enfin, mais je dirais même que moi je vois du Bacon dans certaines des textes de Bataille. Il y a cette scène que j'ai essayé de décrire l'autre matin et Bertrand Schaeffer l'a redite, la scène d'une extase rue de Rennes et rue du Four de Bataille. Sa mère habitait juste à côté. Enfin. C'est très important. Et dans la nuit, il rentre ivre avec un parapluie ouvert alors qu'il ne pleut pas. Ouais. Et il y a un tableau de Bacon prodigieux où il y a ce parapluie ouvert et on voit ce qui s'ouvre à travers le parapluie. Comme tu dis, c'est l'abjection du monde et aussi son chatoiement infini. Alors, parce que j'avais... voilà, dans Conversation de Francis Bacon, le livre que vous avez préfacé et qui était édité par l'Atelier contemporain en 2019, non, je crois. Oui, un truc comme ça. Alors, il y a effectivement, c'est un ensemble d'entretiens avec le peintre Francis Bacon. Et dans un des entretiens, 71, Jean Clair lui demande, est-il encore possible de peindre un arbre? Et Bacon répond, presque pas, c'est impossible maintenant, mais il faut réinventer la façon de le faire. Et on se souvient de Giacometti, qui a passé peut-être l'aventure de toute une vie, c'était de comment peindre une tête. D'ailleurs, en pure perte, parce que, dit-il. Enfin, mais cette idée que, parce que c'est impossible, justement, parce que c'est impossible, il faut le faire. C'est ça qui déclenche le geste. Donc, c'est une Bataille, effectivement. Oui, mais, comment dire, Bataille, on parle très bien de ça à propos de Manet. C'est-à-dire, on ne décrète pas qu'on va peindre l'impossible, simplement on prend acte du fait que l'art à tel moment n'est plus possible comme il est, comme il continue. On en prend acte et en prenant acte, Manet, on dépasse. Rien qu'en en prenant acte. Si on veut dépasser, c'est pas bon. On en fait des kilos, ça marche pas. Enfin, pour moi. Et toujours dans ces interviews de Francis Bacon, il y a cette affirmation, il dit « Je pense que les tableaux ne sont pas des choses à comprendre. » Alors, est-ce qu'on est proche de ce que Bataille voulait quand il parlait de non-savoir? Est-ce que ne pas comprendre, c'est ne pas savoir? Comment C'est-à-dire que ça peut arriver qu'on comprenne, mais personne ne peut nous le certifier. Mais moi, je vois les peintures comme des déclencheurs émotifs, enfin, ou des déclencheuses émotives. Ça crée quelque chose en nous. Tu parlais tout à l'heure de métamorphose. C'est ça qui est. Enfin, c'est, on se met à vivre enfin. Il m'est arrivé de penser que je, comme le dit Pascal, enfin Blaise Pascal, que je ne vis pas vraiment, et qu'il y a des moments où je vis grâce à l'intensité qui m'est procurée par des rencontres. Et l'art est un capteur de rencontres. Donc comprendre ou pas. D'ailleurs, quand Léry s'écrit sur Bacon, il ne nous dit pas ça veut dire ça ou c'est le symbole de ça, ça serait horrible. C'est le symbole de rien, effectivement. C'est qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce qui arrive en nous? Et alors là, on voit quelque chose. Peut-être pas nécessairement ce qui est sur le tableau. C'est le dévoilement, en fait. C'est de la métaphysique incarnée. Enfin,
Et je pense que bah justement Bataille les Rices ou l'usage qu'on a de la peinture, c'est pas un usage explicatif. Enfin, c'est pas pour expliciter ce qu'il y a dedans. Enfin, parce qu'on resterait justement là. Mais c'est pour se rendre disponible à cette catastrophe et à ce coup de foudre en même temps qu'est une œuvre d'art et ce qu'elle déclenche en nous. Oui, non, ce que je voudrais dire, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, c'est un capteur de rencontre, mais pas seulement de l'œuvre et de son spectateur, de ses spectateurs entre eux, qui forment une vaste communauté et qui tout à coup partent sur un tableau, en parlent pendant des heures. Bataille dit, dans son Lascaux, il dit... L'homme de Lascaux créa de rien le monde de l'art, où commence la communication des esprits. Puis il dit un peu plus loin, jamais nous n'atteignons avant Lascaux le reflet de cette vie intérieure dont l'art et l'art seul assume la communication. Et enfin, c'est là que c'est bien parce que c'est Chaminadour. C'est, quoi qu'il semble, à l'amitié, à la douceur de l'amitié, que s'adresse la beauté des œuvres d'art. Ça, c'est magnifique. Oui. Et je crois que on peut... Non, on n'est pas fatigué de vous entendre, Pierre, mais je crois que on peut se quitter sur cette magnifique phrase. À la douceur de l'amitié que s'adresse en fin de compte l'œuvre d'art.